journaliste. Vous vous présentez pour les gens qui ne vous connaissent pas bien. Moi, c'est Amini Biouma Fidèle. Je suis le président provincial du syndicat Alliance des enseignants du Congo dans la province du Nord Kivu, un notable du territoire de Walikale. Voilà, aujourd'hui, il y a retard dans le paiement des agents de l'État. Quelle est la situation actuelle de l'enseignant par rapport à son paiement? Bon, vous savez que les pays traversent des situations très difficiles pendant cette période. Voilà pourquoi certaines banques ont accumulé beaucoup de retard à ce qui concerne la paie des enseignants, surtout dans la province du Nord Kivu. Mais voilà pourquoi, après un certain temps, nous avons fait des plaidoyers par rapport à cette question. Et certaines banques ont commencé déjà à payer depuis ce matin. Et donc, la BOA, elle avait déjà procédé avec la paie, sauf que les autres banques telles que Access, TMB, où il y a eu un peu de difficultés, mais depuis ce matin, la paie est maintenant effective et sur toutes les banques de la province du Nord Kivu, excepté Caritas, où il y a encore un peu de soucis, mais nous sommes en train de mener des plaidoyers pourvu qu'elles aussi puissent lancer la paie, et surtout les enseignants à l'intérieur attendent leur salaire. Ils sont en train de souffrir pendant cette période, surtout que nous traversons trop de situations très macabres ici chez nous dans la province du Nord Kivu, et donc les enseignants à l'intérieur sont en train d'attendre leur salaire pour subvenir tant soit peu aux besoins de leur famille. Vous aviez longtemps décrié la situation de la gestion des enseignants par le gouvernement en ce qui concerne le palier. Vous avez déjà une solution par rapport à cette question? Bon, par rapport aux différents paliers auxquels on était en train de demander au gouvernement, jusqu'à présent, il y a trop de soucis. Voilà pourquoi cette histoire-là des paliers, nous l'avons considérée comme déjà révolue. Et donc, nous attendons un autre gouvernement pour que nous puissions avoir d'autres revendications à soumettre auprès de l'autorité qui sera établie sur place. Vous êtes un grand notable dans le territoire de Walikale. Quelle est la situation actuelle de l'enseignant dans ce territoire? Vous savez que les enseignants du territoire de Walikale, ce sont des enseignants qui sont en train de travailler dans des conditions très difficiles, et surtout à ce qui concerne la paie avec Caritas. Nos enseignants de Walikale reçoivent leur salaire avec trop de retard. Et voilà pourquoi ces jours, ils sont en train de travailler, tel que je venais de le dire, dans des conditions très difficiles. Et donc, il y revient à la Caritas de pouvoir déployer des moyens pour que nos enseignants de Walikale, de Masisi, de Rutshuru puissent trouver leur salaire à temps en portée, puisque c'est parmi nos revendications. Et chaque fois qu'il y a la paie, nous ne cessons pas de demander aux autorités de la Caritas auprès de la province Nord Kivu de pouvoir déployer des moyens conséquents pour que l'enseignant puissent trouver les salaires au temps opportun. Les enseignants de territoire réclamaient les frais de brousse, où en êtes-vous? Bon, avec les frais de la brousse, vous savez que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakaz a dit que nous saluons en passant. Il est en train de s'investir dans cette question, et voilà pourquoi même la prime de gratuité et même les frais de brousse avaient été accordés à tous les enseignants des territoires, et nous sommes très convaincus qu'ils sont en train de toucher cet argent, et avec ça nous sommes en train de voir que la gratuité sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu est en train de se porter à bonne et due forme. Il y a une équipe qui était venue de Kinshasa pour implanter la mutuelle de santé des enseignants. Où êtes-vous avec cette situation, cette question? Bon, vous savez, chers journalistes, que c'est depuis 2019 que tous les enseignants de la province du Nord Kivu avaient souhaité qu'ils aient ce qu'on appelle cette mutuelle de santé dans la province de Nord Kivu. Et les démarches ont continué. Et aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement que nous sommes en train de respirer ces jours, puisque le gouvernement congolais, à travers la MSP, nous a envoyé cette mutuelle de santé. Et l'équipe technique est déjà ici en province. Et d'ici les 8, ils vont passer directement au lancement officiel de la prise en charge des soins des enseignants dans la province du Nord Kivu. Et donc, nous sommes en train de demander à tous les enseignants de pouvoir s'approprier ces projets. Dès que le lancement va se faire, ils vont passer à l'étape de l'identification de tous ceux-là qui n'étaient pas identifiés bien avant, pourvu que dès lors qu'ils seront en situation de maladie, l'enseignant, sa femme et tous ses dépendants seront pris en charge par cette mutuelle de santé qui est déjà dans la province Nord Kivu. Et cette mutuelle de santé ne va pas tout simplement s'arrêter à Goma. Bientôt, elle va s'installer
dans les Beni, dans les Lubero et Masisi, Walikale et Rutshuru. Et donc tous les enseignants de l'intérieur, nous sommes en train de les appeler à la patience d'ici au mois de juillet et au mois de janvier bientôt. La mutuelle va s'étendre sur toute l'étendue de notre province du Nord-Kivu. Il y a certains enseignants qui désistaient et qui pensaient que c'était une manière de les ravir un peu de leur salaire, cette question de mutuelle. Avez-vous un mot à dire à ces enseignants? Bon, vous savez que cette mutuelle de santé, et d'ailleurs c'est une délégation qui était venue de Kinshasa et tous les enseignants qui étaient dans l'EPST depuis 2019 en province de Nord-Kivu, ils étaient suffisamment informés et donc c'était seulement un problème technique de la part de certains leaders syndicaux de la province de Nord-Kivu qui étaient bien avant dans les autres structures syndicales, mais dès lors que la mutuelle de santé est arrivée, ils voulaient faire semblant comme si ils ne savaient pas cette situation. Et voilà, la plupart d'enseignants de la province de Nord-Kivu, ils sont déjà éclairés par rapport à cette situation et tous les enseignants avec qui on était dans les différentes assemblées, ils ont félicité et attendent patiemment les soins auprès de cette mutuelle de santé. Et donc, c'était seulement une façon de pouvoir saper la mission de cette mutuelle de santé de la province de Nord-Kivu. Et donc, la mutuelle les enseignants eux-mêmes ont salué l'arrivée de l'équipe technique qui est déjà installée dans cette province. Et donc, il n'y a pas de souci quant à ça. Peut-être pour finir, quand cette équipe est venue de Kinshasa, les syndicats du Nord-Kivu, vous étiez déchirés par rapport peut-être à certains, par rapport à leurs intérêts. Aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous, les syndicalistes, par rapport à cette mutuelle de santé? Oui, oui, vous savez que dans la province de Nord-Kivu, ces jours, compte plus de 20 syndicats. Et sur les 20 syndicats, il y avait que 7 structures syndicales qui étaient en train de contester l'avenir de cette mutuelle de santé. Et les 13 structures syndicales étaient d'accord. Et ces 13 structures syndicales, ce sont des structures majoritairement représentées sur tout, dans tous les territoires de la province. Et donc, les syndicalistes qui s'opposaient à ce que la mutuelle ne soit pas installée dans la province, ce sont des syndicats non représentatifs. Voilà pourquoi même l'autorité provinciale a sanctionné tous ces gens-là qui voulaient créer des désordres, des troubles dans l'enseignement en province du Nord-Kivu. La mutuelle de santé devait se doter d'un bureau. Vous l'avez déjà? Oui, oui, ces derniers temps, l'équipe technique est arrivée et déjà les bureaux sont déjà installés. Et tel que je venais de le dire dans mes propos, à partir du 8, on aura passé au lancement officiel de cette mutuelle. Et donc, à partir du 8 au-delà, les enseignants vont commencer à se faire soigner. Et c'est là, tous ces soins-là seront pris en charge par cette mutuelle de santé qui est déjà opérationnelle. Si ce n'est pas un secret, le personnel de cette mutuelle vient de d'où? Le personnel de cette mutuelle de santé, je crois, tel que nous avions échangé avec les autorités de cette mutuelle, les personnels seront pris de la ville au niveau de Goma, puisque c'est difficile d'importer les personnels pendant que la ville de Goma ou bien la province de Nord-Kivu, c'est une province qui a toutes les potentialités possibles, tant matérielles qu'humaines. Ou carrément, on tiendra compte des enseignants du domaine, par exemple les biochimistes, le biologiste. Non, non. Dans le cadre de la professionnalisation de la mutuelle de santé, et d'ailleurs, ils ne travaillent même pas avec les enseignants, ils sont en train de... Il y a déjà des offres qu'ils ont lancées et ils ont fini avec tout ça. Nous pensons qu'ici, bientôt, ils vont passer à la publication de tous ceux-là qui ont été retenus à l'issue de leurs offres. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions.